moi, c'était une évidence, et pour les Cubains, c'était une évidence, disant enfin, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une semaine du théâtre français ou un festival du théâtre français, parce que depuis 1997, je travaille à Cuba. Et en parlant avec les gens, c'est vrai qu'il y a des petits festivals du théâtre polonais, allemand. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi, parce que je commence à connaître pratiquement tous les metteurs en scène cubains, les lieux, j'ai des possibilités de trouver des théâtres. Et l'idée, donc, c'était aussi de faire connaître l'écriture de langue française aux Cubains. Donc avant tout, je voulais que ce soit un festival pour les Cubains et pas du tout pour la diaspora. Recapitulemos. A la entrada del pueblo, unos intrusos buscan a Teo por razones que se nos escapan. À la salida del pueblo, il y a une très longue histoire quand même entre la France et Cuba. José Martí a beaucoup parlé de la Révolution française. Alejo Carpenter était un francophone. Le Che était aussi francophile. Donc il y a vraiment des. C'est peut-être le pays de l'Europe qui est le plus proche et qui a eu le plus de relations avec Cuba. Et quand j'ai proposé au ministère de la Culture cubain de faire ce festival au début français, après ça a tiré vers le francophone, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est tout de suite ils m'ont dit « mais Serge, il faut le faire, il y a des années qu'on attend que ce festival se fasse ». Et j'ai tout de suite pensé à l'écriture contemporaine. Ella intentó zafarse, pero era imposible. Los dedos eran como argollas de acero aferradas a su muñeca. La llevó hasta la cama. La ropa mal lavada, la niña que no estaba bañada. Entendí que todos seamos iguales. Ese debe ser el sueño. Y espero no morir en tu cochina casa. ¡Despiértame! Le festival s'est très très bien passé, ça a été un peu à l'arrache, avec des moyens artisanaux, alors qu'on a quand même bénéficié de la plus belle salle pour l'inauguration, qui est aujourd'hui la plus belle salle de La Havane et de Cuba, le théâtre Martí. Et puis aussi Philippe Adrien qui est venu, qui a apporté aussi sa manière de voir le théâtre, pas seulement français, mais en général. Je pense que dans l'entreprise théâtrale, quelle qu'elle soit, il doit y avoir un écrit. Un poète qui consente à se préoccuper de ce qui se passe sur la scène. Ce qui était intéressant, c'est que plus en souterrain, il y avait aussi des ateliers de théâtre qu'a mis en place Philippe Adrien à l'École nationale des arts, Jennifer Capraroux aussi, qui vient du Canada, qui elle aussi a fait des ateliers pour faire une lecture pratiquement mise en espace, un peu mise en scène. C'est vrai que toutes les lectures étaient pratiquement au-delà des mises en espace, pratiquement des tentatives de mise en scène. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que d'abord, on découvre des textes, on a découvert plusieurs auteurs, et puis la présence d'une actrice française, de la Comédie française, Sylvia Berger. On m'a fouillé mon sac, mes poches, mon nom, mon visage, 30 fois. Là-bas, ils m'ont fouillé, mais là-bas, 5 fois.
Fouiller, c'est soulever la robe et tâter plus que le linge sous la robe. À un moment, le manteau devant moi s'est retourné, c'était un homme et il avait un visage. J'avais pas envie de tomber dans le Molière, les Marivaux et justement de travailler avec des auteurs vivants pour qu'on, en même temps, les metteurs en scène cubains aient une relation avec l'auteur français, que ce soit en direct, comme ça a été le cas avec moi, qui suis auteur, ou Lise Martin, et puis après, bon, il y a Internet, les relations peuvent suivre, et je trouve ça intéressant. El hombre naranja, ni hablar. El hombre naranja prefiere los chicos. Los chicos, mandarina. Imposible lograr que se desista. Aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait des têtes, des gens très importants dans la culture cubaine, comme Isabel Bustos, Carlos Celdran, cet après-midi, Flora Lahotel. Donc, ce sont des gens qui sont très, très importants dans la mise en scène cubaine, qu'on travaille sur le festival, qu'on vu les autres. C'est le démarrage, j'espère, d'une longue histoire.